Unidad 5. Unité 5. Escuchar. Ecute. Grafía y pronunciación. Escuche atentamente estas tres expresiones primero las leeremos por separado y luego combinadas entre sí es que ilía qué que qué las dificultades como habrá observado son sólo aparentes. Para superarlas, basta con que se fije en la relación que hay entre grafía y pronunciación. Ahora pasamos a un grupo de oraciones construidas con el léxico que ya conoce. También aquí debe concentrarse en los aspectos fonéticos. A propósito de. Ya. No olvide que se trata de una locución invariable. Es decir, que tiene significado singular y plural. ¿Es que vos a Paris? Est-ce qu'elle est commerçante Comme petit déjeuner, il y a seulement un café au lait. Il y a deux restaurants italiens. Est-ce qu'il y a une table libre Oui, il y a deux tables libres. Qu'est-ce que vous désirez, monsieur Qu'est-ce que tu veux Un café Est-ce qu'il y a comme dessert qu'il y a au premier étage escuchar Escute. el tenedor es femenino escuche atentamente estas palabras acompañadas por el artículo indeterminado un restaurant un bistro Una brasserie Una sala. Une table. una table une nappe una serviette una assiette un verre un couteau une fourchette una cuillère se ha dado cuenta de que tres vocablos son de género distinto a sus equivalentes españoles vuelva a escucharlos une fourchette. Una assiette. Una... Ahora un último grupo de palabras con las que distinguimos los roles de las personas que trabajan en un restaurante. Un maître. Un garçon. Una serveuse. Un chef de cuisine. Un sommelier. Escuchar. Escute. Entrantes, judías y H aspirada. Empecemos escuchando una primera serie de palabras. Preste atención también ahora a los géneros masculino y femenino, señalados por el artículo determinado. Le repas. Le déjeuner. Le dîner. La carte. Le menu. Les hors d'œuvre. L'entrée. Le plat garni. Le fromage. Le dessert. La glace. Les fruits. La quenelle. Le poisson. Le gigot. L'agneau. Les haricots verts. Entre las palabras que acaba de oír, dos empiezan por h aspirada, que no permite la liaison ni el apóstrofo. Son le hors d'œuvre y le haricot. Comparémoslas con un tercer término, huile, que al empezar por h muda exige, como ya sabe, la liaison y el apóstrofo. Le hors d'œuvre. Le haricot. Les haricots l'huile les huiles otra palabra cambia ligeramente de significado según se use en singular o en plural y naturalmente según el contexto en el que aparece por ahora vuelva a oírla acompañada de los artículos le fruit les fruits un fruit des fruits no hallará mayores dificultades en el próximo grupo de palabras donde se habla de bebidas. Le vin. La carte des vins. La boisson. L'apéritif. La bière. L'eau minérale. Y he aquí. La sencilla forma con la que debe dirigirse al camarero para pedir la cuenta. La s'il vous plaît. Hablar. Prise de parole. ¿Qué tomas? Escuche y repita el presente de indicativo del verbo irregular. Prendre. Preste atención al sonido nasal de las tres personas singulares. Je prends. Tu prends. Il prend. Elle prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Observe que la E seguida de la doble consonante, en este caso la N, se pronuncia como en la voz verbal. Eh. Repita una vez más las tres personas plurales. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. El pren. En las oraciones que oirá a continuación, empezará a usar el verbo tomar junto a las indicaciones de precio y a las fórmulas. ¿Es que? ¿Il y a? ¿Es que? ¿Es que vous prenez le menu? No, je mange à la carte. Qu'est-ce que vous prenez comme menu Nous prenons le menu à 125 francs. Qu'est-ce qu'il y a comme entrée Quenelle de poisson à 78 francs 50. Qu'est-ce que tu prends Je prends seulement des fruits. Hablar. Prise de parole. A qué hora quiere cenar? A continuación, empezamos con un diálogo en el que se indican horarios. Escuche y repita durante las pausas. A quelle heure le restaurant est ouvert? pour le déjeuner de onze heures à trois heures et demie pour le dîner de dix-neuf heures à minuit vous voulez manger à vingt-trois heures mais la cuisine est fermée nous déjeunons à une heure en las siguientes frases usará entre otras la preposición don vous déjeunez dans un bistro il y a un restaurant italien dans la rue non mais y a des bistrots et des brasseries la conclusión corresponde a un breve diálogo Se trata de una llamada telefónica para reservar una mesa en un restaurante. Allô? Le restaurant Le Gourmet? Oui, monsieur. Je voudrais réserver une table pour six. Pour quel jour et à quelle heure? Pour vendredi à une heure et demie. Hablar. Prise de parole. Partitivos y forma negativa. Ya sabe lo esencial de los artículos partitivos. Ahora. Pruebe a usarlos en estas oraciones, en las que aparecen también muchos vocablos nuevos. ¿Es Qu'est-ce qu'il y a comme hors Il y a un buffet garni avec du jambon et des huîtres. Est-ce qu'il y a prende quenelles de poisson. avec des haricots verts. Nous prenons de l'eau Ahora apliquemos las mismas opciones para construir algunas oraciones en la forma negativa. Pero no se limite a lo que le proponemos aquí. Siga practicando por su cuenta, utilizando el vocabulario que ya conoce. Nous ne prenons pas de gigot. Je ne prends pas d'entrée. Il ne mange pas de légumes. Il n'y a pas de minéral. Il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de hors-d'oeuvre. hablar prise de parole ¿Es bueno? No, es malo. A continuación, el breve diálogo de apertura le invita a aprender la pronunciación de algunos vocablos nuevos. La estructura de las oraciones es muy sencilla, pero preste atención al uso de los partitivos. ¿Vos la sauce vinaigrette? Oui, c'est bon. Mais il y a du vinaigre Il y a de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre et de la moutarde. Ah bon Je déteste la moutarde. Mais j'aime la salade avec la sauce vinaigrette. Ahora escuche y repita las expresiones siguientes en las que el verbo être se usa en forma impersonal. Aquí oirá también una serie de adjetivos nuevos. Cuide la pronunciación. ¿Es bon? Bueno? ¿Es mauvais? ¿Es sucré? No, es amer. J'aime les gâteaux. Nous détestons le gigot d'agneau. Je voudrais un café froid et amer. Le poisson est cru et l'agneau est cuit mais dur. Je déteste la sauce. Elle est aigre et épicée. Le jambon est salé. Les légumes sont insipides. Vous voulez un plat chaud Conversation. Conversation. Un bistrot à la droite. Un bistrot à droite. Pardon, madame. Je cherche un restaurant sympathique. Il y a un bon restaurant italien. Mais non, j'aime la cuisine française. Vous aimez la soupe à l'oignon Oui, c'est bon. Alors, vous avez un bistrot. Là, à droite. Merci, madame. Pardon, madame. Je cherche un restaurant sympathique. Il y a un bon restaurant italien. Mais non, j'aime la cuisine française. Vous aimez la soupe à l'oignon Eh oui, c'est bon. Alors, vous avez un bistrot Là, à droite. Merci, madame. Pescado à la parrilla. Du poisson grillé. Vous prenez le menu Non, je mange à la carte. Quelle est la spécialité du chef Les quenelles de veau. Qu'est-ce qu'il y a avec De la sauce, des pommes frites et de la salade. Ah, oh, de la sauce Alors je prends du poison grillé. Mais non, madame, pas du poison, du poisson Et pour vous, monsieur Un vol au vent aux champignons, des quenelles de veau, du fromage et comme dessert, de la glace. Pas de dessert pour vous, madame Un fruit. Et comme boisson, qu'est-ce que vous prenez Du Bordeaux. De l'eau minérale. Vous prenez le menu? Non, je mange à la carte. Quelle est la spécialité du chef? Les quenelles de veau. Qu'est-ce qu'il y a avec? De la sauce, des pommes frites, et de la salade ah de la sauce alors je prends du poison grillé mais non madame pas du poison du poisson et pour vous monsieur un vol au vent aux champignons, les quenelles de veau, du fromage et comme dessert de la glace. Pas de dessert pour vous, madame Un fruit. Et comme boisson Qu'est-ce que vous prenez? Du Bordeaux. De l'eau minérale. La cuenta salada. L'addition salée. Garçon, nous n'avons pas de fourchette. Voilà, monsieur. Mais le beefsteak n'est pas saignant, il est dur. Mais non, il est à point. Il est dur. Et les frites sont crues. Et le vin, il est bon Non, il est froid. Je veux l'addition. Ça fait 200 francs. 200 francs ça Oh zut, l'addition est salée. Garçon, nous n'avons pas de fourchette. Voilà, monsieur. Et le beefsteak n'est pas saignant, il est dur. Mais non, il est à point. Il est dur et les frites sont crues. Et le vin, il est bon Non, il est froid. Je veux l'addition. Ça fait deux cents francs. Deux cents francs, ça au oh zut, l'addition est salée.